Salut, salut! Ça va pouvoir être le commencement du tournoi tranquillement. Alors, je sais pas qui est là déjà, mais salut à ceux qui sont déjà là. On va pouvoir détailler un petit peu parce qu'il y a des choses qui ont été commencées, d'autres qui vont être poursuivies là pendant la petite durée du stream qui va pas durer très longtemps. Et après, on pourra enchaîner avec. Ceux qui veulent, en tout cas, les premiers matchs, sans problème. Je sais pas si on entend vraiment l'extérieur là. On va voir si mon micro est trop. Est bien réglé ou pas, tranquillement. Bon, parfait. Donc là, ce qui a déjà été fait, c'est le seeding qui est terminé. Les inscriptions sont finies aussi. Donc là, vous avez directement la page du tournoi, celle là où vous avez rendez-vous pour vous inscrire. Elle est là devant vous. Et du coup, bah, on va pouvoir tranquillement voir le seeding et puis aussi découvrir quels personnages ont été piqués par les différents joueurs. Et même si pour certains, et pour la plupart même, c'est une évidence ce qui a été choisi, pour d'autres, un peu moins. Donc on va voir ça tranquillement. Alors, en ce qui concerne du coup le seeding, bon, et je sais pas si vous aurez des questions par rapport à comment j'ai seed les personnes, mais en tout cas, le résultat du seeding, ça donne ça. Sachant que j'ai mis Rogue en premier, donc il est exonéré du premier round. Il pourra tranquillement attendre que tous les autres joueurs aient passé le round 2. Bon, après, il peut commencer très bien son match avant que tout le monde se décide de jouer, bien évidemment. Mais. En tout cas, pour l'instant, on en est là. Et puis, il jouera directement contre soit Liam, soit Fanshi. En fonction de qui gagne. Sachant que c'est probablement le match le plus serré. Puisque c'est les. Là, on est sur 15 participants. On est sur les seeds 7 à peu près. Tous les deux. Donc c'est les seeds les plus proches, Liam et Fanshi. Pour tout le reste, y a des matchs qui sont intéressants, mais effectivement le premier round du tournoi va probablement être celui qui sera celui qui réservera le moins de suspense et de surprise. Comme dans tous les tournois, majoritairement, sauf si effectivement on décide de ne pas faire de seeding et de placer les joueurs aléatoirement. Mais autant des fois c'est marrant, autant c'est la possibilité d'avoir un placement qui est quand même très foireux. Sinon il y a toujours la possibilité de placer les joueurs de manière manuelle, entre guillemets. J'aurais pu effectivement faire en sorte, par exemple, que les Français ne se rencontrent pas, les Français comme les Anglais, puisqu'il y a deux matchs franco-français là, qui sont proposés. Et puis vous voyez le dernier match là, le winner bracket 1.7 qui est uniquement avec des Anglais, David et JK. Bon, j'ai décidé de faire juste un seeding en bonne et due forme. Et puis tant pis s'il y avait des matchs franco-français, de toute façon,
quasiment la moitié du tournoi, c'est des Français, et quasiment la moitié du tournoi, c'est des Anglais. On n'allait pas faire forcément que France-Angleterre à chaque fois. C'est pas... On n'est pas là pour ça. Donc, on se retrouve avec donc beaucoup de Français, plus beaucoup d'Anglais, plus Funchy, du coup, qui est polonais, en tout cas qui réside en Pologne. Et on se retrouve avec Madoka qui est italien et les deux américains, Snorpy et puis Antstar. Très très bien. On va pouvoir directement passer par le reveal des personnages, puisque on n'est pas là non plus pour faire du tricot. Je vais tout d'abord quand même annoncer sur le Discord que j'ai lancé le stream. Et puis on pourra tranquillement placer les différents personnages par rapport aux joueurs. Hop. Je vais à peu près répéter le titre du stream. Ça va être assez simple. Hop. Hop. On est bon maintenant. Parfait. On va voir si les gens se ramènent. Ou s'ils partent, effectivement. Hop hop hop. J'ai pas pris d'eau moi de mon côté. C'est pas très, très grave. Je pense pas que le stream va durer non plus 3 plombes. On va commencer tranquillement. J'ai ma page juste à côté. Hop. Je vais juste prendre une police d'écriture relativement différente. On peut en prendre une ici, très bien. Où est-ce que j'écris moi? Oui. Ah, on écrit le texte là. D'accord. Bah, écoutez, j'ai trouvé. Et on va commencer tranquillement. Moi, je vais faire par ordre, par ordre de ceux qui m'ont répondu. Il me semble que tout le monde a répondu. Je vérifierai en même temps du coup. Touk! Parfait. Le premier qui m'a répondu, c'est Tenpo. Hop! Parfait. On part sur quoi? Un truc marrant, mais pas trop non plus, quoi. Est-ce que ça, c'est bien, par exemple? Pof. Tenpo, où il est? Pouf, pouf, pouf. Il est là. Hop.
C'est parfait, ça. Qu'est-ce qu'elle est bien cette musique, putain. Alors, ensuite, on a Madoka. Madoka que je vois ici. Parfait. Figurez-vous que Madoka n'a pas le droit à son goût. Et qu'il a choisi Todd lui aussi. Ensuite, on va finir avec les Todd peut-être. Puisque figurez-vous que Pi également a pris Todd. Todd également. Alors, 1, 2, 3. 3 Todd. Parfait. J'ai tout mis. On va pouvoir passer maintenant à un autre personnage. On va prendre Birdo qui a été sélectionné aussi. Alors le premier qui a pris Birdo, c'est Walt. Walt. De notre côté, on peut très bien faire ça. Et vous voyez qu'il y a marqué les Todd à côté des joueurs. Même si on voit pas pour tout le monde, mais par exemple pour Madoka on voit pas. Pi a pris Todd. Mr. Tenpo aussi. Madoka également. Ensuite Birdo, donc Walt a pris Birdo. Hop. Parfait. Alors ça va vous choquer, je pense. Mais Antstar a pris Birdo également. Choqué. Paf. Ça part sur Birdo également. Est-ce qu'il y a un autre Birdo? Tout à fait. C'est aussi une énorme surprise puisque c'est Liam qui a pris Birdo également. Pouf. Parfait. Est-ce qu'on a un autre Birdo? Je regarde. Poum poum poum. C'est non. Parfait. Je vais pouvoir actualiser ici de ce côté-là aussi. Ah, c'est pas encore actualisé. Hop. On va attendre quelques secondes. S'il me manque une Birdo, je viens juste d'y penser. C'est Fanshi. Fanshi aussi, il a pris Birdo. On va voir ce que ça va donner à Fanshi avec autre chose que Pité. Alors on en est où? Fanshi c'est bon, Liam c'est bon. Donc il va y avoir un duel de Birdo ici. Entre Liam et Fanshi. Le Birdo il est bon ici. Antstar ici, c'est très bien. Parfait. J'ai pas mis de JK moi sur le. Sur mes petites fiches. Hop. Impeccable. On va pouvoir passer sur les joueurs qui ont choisi Pauline du coup. Alors Pauline c'est probablement le meilleur perso sur le terrain qui a été proposé. En tout cas, si on regarde la méta sur Knight, c'est possible en tout cas de penser que c'est lui le meilleur. Ah, j'ai juste Navi, j'ai pas encore son perso. Faudrait qu'il me dise. Je lui ai demandé en MP, je crois qu'il m'a pas répondu Navi. Kick. Il m'a pas répondu.
Ce qui est pas super, mais écoutez. Alors, pour Pauline. Le premier qui a choisi Pauline, c'est Zoulard. C'est pas une surprise non plus. Zoulard qui a hésité du coup entre sa Pauline et puis sa Daisy, hein, il a préféré Pauline. C'est probablement un meilleur choix pour la perspective de ce tournoi en tout cas. Pouf. Donc Zoulard, Pauline. Parfait. Le deuxième qui a choisi Pauline, c'est Rogue. Rogue, pareil, qui aurait pu choisir soit Daisy, soit Pauline. Il a choisi Pauline. Dans la même idée, hein, il a eu raison. Très bien. Ensuite, autre joueur de Pauline. Quentin a également choisi ce personnage. Sans trop de surprise non plus, hein, si on connaît Quentin, on a vu que sa Pauline, notamment contre la Bast, elle était plutôt intéressante. Très bien. Il me manque aussi sur ma fiche David, du coup. Hop. Parfait. Ça se verra tout de suite hein, s'il m'en manque un de toute manière. Ok. Bah, figurez-vous qu'on a terminé avec les Paulines. On va pouvoir enchaîner avec Luigi. Hop, hop, ça c'est bon. Luigi, du coup. Je fais mon petit copier-coller. Parfait. Luigi, il a été choisi que par un seul joueur et c'est Snorpy. Snorpy. On lui donne son Luigi. Snorpy qui a une bonne chance hein, de faire un très bon résultat. On l'attend à peut-être deuxième ou troisième place. Hein. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus. C'est pas spécialement un joueur de standard donc. On va voir ce que ça donne. Très bien, donc il n'y en a qu'un seul qui a pris Luigi hein, pour l'instant. On va voir Navi ce que ça donne. J'ai vu que Navi répondait sur le Discord, donc. Histoire qu'il puisse pas s'adapter, parce qu'il y en a certains, hein, ils se seraient peut-être adaptés, donc. Que ce soit un minimum. Un minimum fair play. Ça c'est bon aussi. Donc on est toujours bon là. Juste attendre que Navi me réponde. Alors qu'il me répond Chomp, donc clairement il n'a pas lu les règles. Ce qui est dommage. Hein. Donc. On va attendre un peu. On est pas pressé de toute façon. On va actualiser ici. Les Paulines sont mises.
Salut Navi. Je t'ai envoyé le message sur Discord, mais effectivement, Champ n'est pas dans le roster. Je sais pas si t'avais fait attention à ce moment-là. Les règles des persos, bah, il n'y a pas de règles particulières, c'est juste qu'il y a des. J'ai mis que des persos entre guillemets. Avec pas trop de gameplay cancer. Et du coup, c'est un roster assez limité que tu as sur. Que je t'ai envoyé hein, sur le Discord. Le roster complet, il y a assez peu de personnages, mais il y a de quoi. Je pense qu'il y en a certains que tu joues de ton côté, donc c'est pas. Ça doit pas être trop un problème. Tu me dis si tu y as accès ou pas, et comme ça, on te laisse choisir tranquillement. Bah oui, Wario, il est pas aussi fort que Chomp, quand même. Ça, tu pouvais en parler avant, tu sais, pas de problème, hein. Hop. Mais si on doit représenter les lourds, je trouvais que Wario, c'était bien plus intéressant que de mettre que de proposer Chomp, effectivement, oui. Bah après, il y a pas mal de joueurs de personnages que tu joues à Navi. Luigi t'a joué un petit peu. Daisy t'a joué encore plus, hein, je pense. Birdo, je suis un petit peu éventuellement, même pas spécialement. Pauline, tu l'as joué quelques fois aussi. Après, il n'y a pas des. Des top tiers. Bah, il y a pas mal de top tiers qui ont des gameplay cancer, oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Luigi, ça me va. Très très bien. Merci de jouer le jeu à Navi, c'est gentil. Du coup, je te mets sur Luigi, que tu as choisi toi aussi, avec Snorpy qui a choisi Luigi aussi. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu rapidement. Pouf, je te mets avec Luigi alors. Hop. Tu vois pas en quoi Chomp est cancer? Mais en fait, toi tu le joues pas de manière cancer, c'est pas ça que je dis, hein. C'est juste que y en a certains qui arrivent de le jouer de manière à ce qu'il soit soit trop défensif, soit très agaçant à jouer et où les points s'éternisent, etc. Et tu vas me dire que c'est la même chose pour Wario, mais Wario il a moins d'armes pour que ça soit vraiment très très chiant, alors que fait avec Chomp, ça peut être bien plus agaçant, et du coup tu peux te retrouver avec des points qui soient gagnés de manière un petit peu moins, comment dire, moins mérité en tout cas. C'est vrai que si Wario fait la même chose que Chomp de manière cancer, ça va moins permettre en tout cas des abus par rapport à ce que Chomp permet lui. Voilà, c'est un peu ça la logique de la chose. Mais en soi, c'est pas parce que toi ou d'autres joueurs jouent Chomp de manière très legit comme Darky peut le faire ou des choses comme ça que je dois le mettre dans le roster. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt si, par exemple, t'as listé Messilis dans le. Comme exemple, mais dans le cas où il y a des gameplays comme Messidis qui puissent jouer de cette manière, de les enlever. Alors, j'affine un petit peu la règle à ma façon, effectivement, parce que des Wario Cancer, il y en a. Hein. Mais si on doit mettre que des persos qui sont jamais Cancer, genre Birdo n'y serait pas non plus. Mario non plus, Luigi non plus, bah, il n'y aurait pas de perso en fait.
Mais du coup, c'est juste pour qu'il y ait un roster qui soit un petit peu plus amusant. Et que y ait quand même du beau jeu qui soit mis en avant avec ça. Je pense que en tout cas, il y a beaucoup de persos qui sont cancer qui ne sont pas dans le roster. Et que le roster va permettre en tout cas à ce que les matchs soient relativement sains. Bon, ils seront pas parfaits, hein, mais. Il y a encore quelques persos qui peuvent clockwork ou qui peuvent être planqués en baseline, ça c'est possible. Mais en tout cas, ça annonce des matchs qui sont quand même relativement sympas, je pense. On verra bien, hein, de toute façon, c'est le tournoi me donnera raison ou tort, hein, on verra. Mais en tout cas, c'était l'esprit du tournoi. Très bien. Je vais pouvoir passer à un autre personnage vu qu'on a fini sur Luigi. Touk touk touk. On va passer sur Daisy maintenant, sachant qu'il n'y a qu'un seul joueur qui a choisi Daisy. Hop. Et ce joueur, c'est David. David, je vais le trouver, il est là. Hop. Parfait, David Daisy. Super. Impeccable. Il reste deux joueurs à donner un personnage. Et figurez-vous que ces deux joueurs ont choisi le même personnage. Et c'est Wario. Donc on se retrouve avec. Bah, je vais copier-coller mon petit Wario là. Hop. Parfait. Donc JK a choisi Wario, ce qui n'est pas si étonnant que ça. Je pense que c'est probablement son deuxième meilleur perso. JK a choisi Wario et donc le tout dernier qui restait, figurez-vous que c'était Joey et Joey aussi. On pensait qu'il allait partir sur Pauline, mais il part sur Wario. Bah, impeccable, super. Donc vous avez maintenant est-ce que ça s'est mis à jour sur Joey? Oui, tout à fait. Vous avez tous les participants maintenant définitif avec leur personnage. Sachant que j'ai pas forcément pris trop en compte le fait que certains joueurs vont jouer leur main ou pas dans le seeding. Ce que j'aurais peut-être pu prendre en compte éventuellement. Par exemple, peut-être que Fanshi aurait pu être un peu plus bas puisqu'il joue pas son perso hyper craqué là. Mais au bout d'un moment, si on rentre trop de critères en considération, on s'y perd un petit peu. Donc j'ai essayé de faire simple. De toute manière, moi je considère quand même que c'est ce qui est fait sur certains tournois déjà, que le seeding le plus important c'est surtout pour les premiers, probablement pour les 6 premiers, et encore. Mais après la sixième place, le seeding il est quand même beaucoup moins intéressant et pertinent à aller chercher la petite bête de toute manière. Donc. Très bien. Donc on a Tenpo qui joue Todd. Il ne joue pas ça habituellement, Tenpo. Il joue plutôt des persos lourds. Donc il aurait peut-être pu se retrouver dans Wario, mais il a préféré le fun avec Todd. Donc on va voir ce que ça peut donner. Navi du coup qui a préféré partir sur Luigi. Ce qui n'est pas un mauvais choix. Hein. C'est probablement à mon avis le deuxième meilleur perso qui serait proposé, donc il y a moyen de faire des trucs bien et potentiellement de faire rager un peu Quentin, on sait pas. Quentin il aime pas trop jouer contre les Luigi je crois, donc peut-être moyen de faire quelque chose. Pi aussi il est parti sur Todd, il y a pas mal de Todd donc c'est assez rigolo. Sachant que Todd il est à la fois facile et dur à jouer, donc on va voir ce que ça va pouvoir proposer. Quentin il est parti sur Pauline, on pouvait s'y attendre.
Pauline, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est probablement l'un des meilleurs choix à faire, puisque elle aime bien quand c'est rapide et quand il y a des bons rebonds. Donc là sur Knight, ça va être très efficace. Rogue aussi, il est parti sur Pauline parce que Rogue, figurez-vous qu'il a envie de gagner, je pense. Donc c'est parti sur une très bonne place, voire la victoire, hein, je pense. On va voir ce que ça va donner. Walt, il part sur Birdo parce qu'il il l'a pas mal travaillé ces derniers mois, en tout cas les dernières fois où il a joué. Et il était déjà sur Birdo. Sachant que Walt, c'est plutôt Peach et Yoshi qui jouent. Mais la Birdo, elle est quand même très sympa à jouer. Et la sienne est plutôt efficace, effectivement. Madoka, c'est une petite surprise, il est parti sur Todd lui parce que son bout n'est pas disponible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, Todd pour Madoka. Birdo aussi pour Fanshi, donc ça aussi ça va être intéressant de le voir. Je crois qu'il m'avait dit qu'il allait tester Birdo en ladder jusqu'à son premier match, donc peut-être que vous avez déjà croisé son. Cette Birdo, je ne sais pas. Aucune idée. Ensuite, on a David qui est la seule Daisy. Donc, on va voir ce que Daisy donne. C'est probablement pas le meilleur choix à faire sur ce tournoi, sauf si on a de bonnes affinités avec le personnage. Mais il y a moyen que ça soit quand même assez rapide pour Daisy. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc ça c'est intéressant. JK il est parti sur Wario. C'est pas trop une surprise si on connaît JK puisque c'est un perso qu'il utilise beaucoup en double et qu'il avait joué un petit peu en simple. Et qui est plutôt efficace. JK il défend très bien, il a un peu plus de mal à attaquer. Et du coup ça correspond bien avec ce personnage. Donc il est plutôt à l'aise. Liam qui part sur Birdo, c'est une surprise pour personne ça. C'est probablement d'ailleurs le joueur le plus le moins propre qu'on va avoir puisque Liam ça reste quand même bien derrière avec du clockwork, donc on va voir ce que ça va donner et si les autres joueurs arrivent à trouver des réponses malgré le fait qu'ils aient pas forcément tous des persos très efficaces en attaque. Jewel, donc ça c'est une des plus grosses surprises du coup qui part avec Wario. Il m'avait dit justement qu'il avait depuis longtemps envie de faire un tournoi majeur avec le personnage. Je suis un peu comme vous, je ne l'ai jamais vu avec Wario, donc ça va être très amusant à voir. C'est très très probable qu'il aille quand même très loin avec le personnage, mais la question c'est jusqu'où il va pouvoir aller. Parce que nous, on l'attend tous quand même jusqu'à au moins la finale. Donc, on va voir ce que ça va donner à jouer avec un gros port comme ça. Zoolar qui prend Pauline, c'est pas une surprise pour ceux qui connaissent Zoolar un petit peu. Zoolar qui stream hein, aussi. Handstar qui part sur Birdo, c'est pas une surprise non plus. Handstar, on va voir ce que ça donne en simple standard. Moi, j'ai jamais vu jouer. Bon, déjà, j'avais. Je l'avais pas vu jouer déjà en simple classique. Là, on va voir ce que ça donne en simple standard. Bon, pour le coup, Birdo, il a pas mal d'heures dessus, hein, je crois. Donc, il connaît bien le personnage, il connaît bien la range, il connaît bien le déplacement. Donc, ça sera pas un problème pour lui. On va voir comment, par contre, il utilise son énergie. Ça sera pareil pour Snorpy. Moi, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer en simple standard, mais il avait fait des très très bons résultats, notamment au One Cup Union qui a été proposé par Labast il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ça commence à faire, mais c'est pas il y a si longtemps que ça non plus. Et il avait battu des très très bons joueurs. Donc, à voir ce que ça propose. Hein. Et il avait été seedé déjà. Assez haut, hein. Je crois qu'il avait été seedé à la 6e place par Labast. Moi je trouvais que c'était un peu exagéré, 6e place, mais il avait bien honoré sa place justement en faisant des très bons résultats. Bah, c'est parfait, hein. On a fait le tour. Hein.
Il y en a certains qu'on rejoint, donc je ne sais pas si c'est des francophones qui veulent avoir des infos ou pas. Sachez que si vous voulez faire vos premiers matchs, c'est possible de le faire. Je vous ai juste donné la consigne éventuellement de faire ça au moins en stream, ou en tout cas d'au moins avoir un record des matchs pour pouvoir les publier ensuite, pour pouvoir faire un truc propre et bien, mais. En tout cas, vous pouvez faire vos premiers matchs si vous êtes mis d'accord avec votre adversaire et si un streamer est disponible, effectivement. Impeccable. Bon, moi j'ai encore un peu de travail derrière puisque va falloir que je fasse les petites miniatures sur YouTube. Le reste de ce que j'avais à faire est déjà fait sur OBS pour les différentes scènes éventuellement, je pense. Ça c'est bon. Donc ça c'est le premier tournoi qui sera proposé sur le circuit du Delta Rose du coup. Sachez que je vais retrouver ma petite page hein, là où... Voilà, il y a 800 points du coup qui sont proposés aux gagnants. 800 points. Sachant du coup que à partir du moment où vous êtes au moins sixième, vous gagnez des points intéressants. Et au-delà de 7e, en fait, vous gagnerez tous 50 points. Ça veut dire qu'en gros, si vous participez à tous les tournois, vous ne serez pas dernier. Ça veut dire que vous aurez probablement au moins 150 points, même si vous finissez dernier. Dans le circuit, en tout cas, vous ne finirez pas dernier, donc ça c'est bien. Du coup, le 6e, il a 100 points. Le 5e... Il a 200 points. Le quatrième a 300 points. Le troisième, il a 400 points. Le deuxième, il en a 550. Et le premier, ben ça, tout le monde le sait. Tout le monde a pu le voir, en tout cas. Il en a 800. Donc, pour la répartition des points, c'est un peu dans la même logique que ce qui est proposé quand vous gagnez une... Enfin, quand vous participez à un circuit sur Mario Kart, si vous voulez, c'est des points qui sont décrescendo. C'est-à-dire que si vous faites 7e ou 8e, vous aurez globalement à peu près le même nombre de points. Mais il y a il y a une vraie différence par contre entre le premier et le deuxième. C'est pour qu'il y ait le plus d'enjeux possible, si vous voulez. Voilà. Impeccable, bah, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je vous ai montré ce que je voulais que vous voyez. Personne ne s'est manifesté pour l'instant, donc le stream du Delta Leaf, il est disponible pour faire vos matchs, effectivement. Et donc, bah, pour l'instant, si personne est opérationnel pour faire vos matchs. Parce que oui, je peux effectivement vous proposer les différents matchs qui sont là sans que vous ayez besoin d'aller dessus. Moi, je vais peut-être mettre ça sur le Discord, éventuellement, pour que tout le monde soit bien au point par rapport aux matchs qui sont proposés. Bah, je vais faire ça avec vous, je pense, vu que j'ai que ça à faire. Hop, allons-y. Peut-être mettre ça en anglais, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Le premier match. Alors.
Toutouloutoutoum. Hop. Premier match du coup. Rock contre Fanchi, Quentin contre Pi, Navi tué contre White. Joey il est contre Tenpo. Star il est contre Medeka. Toum 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 toum. Contre Zoular. David contre JK. Je rappelle un peu les règles, mais elles sont très très simples. Tic. Oui. Ouais, très très bien. C'est marrant. On doit être bon là. Pouf. Ça c'est bon. Oui. Qu'est-ce qui fait chaud par contre? Oh là. Bien, bah, parfait. On est tout bon, non?
Je réfléchis aussi à d'autres choses à dire ou pas. Hop. Ça me paraît pas mal quand même. Si personne ne réagit tout de suite, on va pouvoir couper et nous on se rejoindra. On se retrouvera directement si quelqu'un. On relancera tout de suite un stream si quelqu'un. Si quelqu'un veut jouer directement. Il n'y a pas de nécessité à jouer dès ce soir. Très bien, Snorpy l'a vu. Super. Il faudrait que je m'assure que par exemple OnStar aussi ait bien eu les informations, mais ça pourrait être fait sans problème. Without difficulties. Parfait. Bon, les règles elles sont là hein, si vous les cherchez. Sont loin d'être compliqués, hein. C'est juste les personnages hein, qui font la caractéristique du tournoi, mais sinon, voilà, il y a les personnages et éventuellement le pourquoi pas le terrain, même si le terrain est quand même relativement standard, c'est pas celui qu'on choisit habituellement, mais il reste. Il reste pas forcément très original là, non plus. Voilà. Quand les règles elles tiennent sur trois lignes comme ça veut dire que le tournoi est quand même très accessible. Qui fait pas trop peur. Je trouve que c'est quand même mieux que de partir sur un tournoi avec plusieurs modes différents. Un système de ban à chaque match. Là où t'as pas envie de démarrer. Là au moins c'est fait. Toutes les informations de toute façon elles sont sur le site hein, si vous avez besoin. J'ai mis aussi mon Twitch si vous voulez aller dessus directement mais de toute manière ça il est sur le Discord si vous êtes dessus il n'y a pas de problème. Bah très bien. Bah, si personne ne réagit tout de suite moi je coupe et puis je relancerai. Dès ce soir ou bien dans les jours qui suivent pour lancer le premier match puis tous les suivants. Voilà. Bon merci pour ceux qui sont restés pour avoir les informations. Je pense que j'ai été assez complet, il n'y a pas forcément grand chose à dire de plus, hein. C'est juste montrer effectivement les premiers matchs, le seeding qui a été fait. Les différents choix de personnages qui sont assez intéressants et parfois même assez amusants. Et petit rappel des règles. Et le fait que je sois disponible aussi pour streamer les matchs sans aucun souci. C'était surtout ça que je voulais dire. Et ben on est tout bon, Simon. Ben, je vous dis soit tout à l'heure, dans la soirée, soit ben, dès que ça se lance, ben, on se retrouve nous tous ensemble pour les prochains matchs. Et bien à plus, hein. Salut, salut.